J'espère que vous allez bien. Donc, je suis rentrée de vacances. Donc, pour cette vidéo de rentrée, on va dire, donc j'ai décidé d'ouvrir deux displays Point Furieux XY3, donc que j'ai récupéré hier. Alors, pendant mes vacances, donc j'ai pas trouvé de booster polonais, mais bon, je ne sais pas, ça a pas l'air d'exister là-bas. Donc voilà. Donc on va commencer avec une ouverture d'une display. J'ouvrirai l'autre une prochaine fois. Et donc on va faire en deux parties comme d'habitude. Et ah oui, je signale qu'il y aura peut-être une coupure lors de la première partie parce que j'ai pas assez de mémoire sur ma carte. Donc s'il y a une coupure, c'est normal. Voilà, voilà. Donc on va s'ouvrir ça. Donc on a sur le devant... Donc Lucario, donc je sais pas si c'est la... Ça doit être la Méga devant, j'ai pas trop fait attention. Méga Scarino. Ensuite on a les 4, donc Brutal Livré, Méga Scarino. Ouais, donc c'est Méga Lucario et le dinosaure, je ne sais plus son nom. Donc Brutal Livré. Et sur le dessus, bah, le dinosaure. Voilà, l'évolution de Tyranidur qui est, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Donc en deux parties comme d'habitude. Et j'espère que vous avez passé aussi de bonnes vacances. Voilà, il reste à peu même pas une semaine et demie de vacances. Donc ça passe vite le temps. C'est ballot. Alors. Donc ce que j'espère avoir, les Dracolos. Après le reste, j'ai pas de préférence. Donc Dracolo, je crois que c'est bien cette celui-là. Hein. Ça me fout un doute, mais bon. C'est pas grave. Donc Brutal Libré, je le trouve moche. Je sais plus s'il est en quart dedans, mais... Ce que j'avais gardé vite fait, mais vraiment vite fait. Donc ce qu'il y a dedans, comme Ultra, je sais plus trop. Je sais qu'il y a Lucario, ça c'est sûr. Normalement... Bah normalement, Dracolo, hein. Et des dresseurs là avec les scientifiques aussi qui est très joli comme full art. Voilà, voilà. Donc on va prendre cette partie là. Et donc quatre illustrations différentes comme d'habitude. Donc Brutal Libré, qui est quand même sympa. Bon, je le trouve pas terrible comme Pokémon, mais l'illustration est sympa. Donc le dinosaure, je ne sais plus. Voilà, qui est très sympa aussi. Donc, Méga Lucario. Et Méga Scarino. Voilà, voilà. Donc, on va commencer donc, avec Brutal Libré. J'ai un petit peu la voix morte, mais bon, ça va. Donc, ça doit rendre bizarre, je pense. Ah, il est sympa en bleu comme ça. Enfin, bref. Donc, 1, 2, 3. 1, 2. Bon. Ça commence bien déjà. Je spoil. Donc, on a Electek. Qui est vraiment sympa. Ensuite, Mélofée. Très joli aussi, avec le petit clair de lune et tout. Makuhita. Soporifique. Bagiguan. Alors un dresseur, un entretien en objet. Vibranymphe. D'ailleurs j'adore la famille de Libégon. Deden, mon petit coup de cœur de la 6G, donc trop mignon. Pikachu en reverse, en commune reverse, donc vraiment très très joli. Franchement, et chercheur de fossiles, donc full art. Premier booster, déjà une ultra. Elle est vraiment sublime. Vraiment, vraiment. Rien à dire. Avec le petit Dragma, je sais pas quoi là. Bref. Qui est d'ailleurs magnifique aussi, hein, comme Poké en fossile. Donc, on commence bien cette display. J'espère que on aura bien d'autres ultra. Bon, c'est pas très français la phrase, mais c'est pas grave. Alors ouais, le quota, c'est pareil, c'est un peu comme XY2, donc étincelle.
C'est vraiment aléatoire. Il y en a qui ont eu 3 ultras, d'autres 6, d'autres 7. Donc, franchement. Voilà, donc Scarino, Mega Scarino. Donc, déjà une ultra, donc c'est vraiment sympa. Une que j'apprécie en plus, donc c'est cool. Scrutella, Electek, Etzelang, très joli aussi. Alors Sonistrel, Posipi, journaliste des combats en dresseur supporter, avec Ratentif dessus, c'est marrant. Tignon, Bagaïd, en peu comme une river, c'est un centre d'entraînement. Et nous avons en holo, Brutalibré. Donc sympa aussi. Bon, j'adore toujours l'effet holo de ces illustrations. De XY. Voilà plutôt. Donc elle est vraiment très jolie. Hop. Alors Mecha Lucario. C'est un petit peu dur de reprendre au bout d'un mois. Hein. Alors, Etzelang, Evoli, donc trop mignon. Je crois qu'il y a toutes les évolutions dedans. Bon, je suis pas sûre, mais voilà, trop mignon. Sonistrel, Parukul, Ratentif, Limaspid, Trousselin, donc le trousseau de clé, quoi. Tyrannite dur, donc la pré-évolution du T-Rex, là. On a en commune, un peu comme une reverse, pardon, Tétarte. Et en rare, Ariyama. Craquenois. Parukul. Polarum. Rapion. Evoli de nouveau, Fossile Nageoire, Raichu trop mignon, voilà, mon petit coup de cœur aussi, Chercheur de Fossiles, donc qu'on a eu en full art, Excellent en commune reverse et Rexilius, donc c'est le nom du T-Rex, en rare, elle aurait été sympa en holo je pense, enfin. Flingouste, Pikachu, Scrutella, Machoc, Poussifeu, trop mignon. Mon préféré de la 3G. Enfin, des starters en tout cas. Melodelph. Allez, jolie l'énergie. Donc, phytoénergie. Ouais, énergie plante, ça remplace peut-être. Je sais pas. Donc, phytoénergie. Pandaspiègle. À Evoli en reverse, trop mignon, comme une reverse, et Chapignon en rare. Chétiflore, Gringolem, Soporifique, Mélophée. Pikachu, Entretien en dresseur, Vibranymphe, Deden, qui est un peu commune, hein. Tartare, donc en rare reverse, on avait eu Tétarte en reverse déjà, et Fulguris en rare, je l'aurais pensé plutôt en holo celle-ci, mais bon, je suis pas très fan des génies hein, perso.
Alors encore moins dans la forme totémique là, je sais pas quoi là. Vraiment horrible. On a Excel Langue Titar. Paracool. Sonistrel. Soporifique. Galifeu. Donc Bras et Gali sûrement en holo, je pense. Stade de combat, des combats. Mesmerella. Sonistrel en commune reverse. Et bah, en parlant du loup, Bras et Gali holo. Magnifique. Vraiment. D'ailleurs, ce sera mon poussifeu comme starter que je prendrai dans... Moi, je vais prendre Saphir. Voilà, comme version. Parce que je préfère Kyogre à Goudon, donc forcément. Le choix est fait. Donc, elle est vraiment sublime. Déjà deux holo sur... Alors, petit art. Posipi. Pikachu. Paracool. Polarume. Donc, une énergie renforcée. Donc ouais, ça doit être les nouvelles énergies, enfin je sais pas. Donc énergie combat quoi. Coup de langue, Amagara. Amagara en reverse. Et Nymphalie en rare. Ah dommage qu'elle soit pas holo parce qu'elle est juste sublime. Vraiment, vraiment sublime. On a Mélofée, Evoli, Electek, Scrutella, Makuhita, Deden, Ring en montagne, Boostiflore. Donc une phytoénergie, donc énergie plante, on va dire, un peu comme une reverse, et Hypnomade en rare. On a Chétiflore, Excel Langue, Sonistrel, Craquenois, Electek, Fossile Mâchoire, Super Rappel, Miradar, Craquenois en commune reverse et Scarino X. Donc vraiment très joli. Bon, j'aurais préféré. Ou alors Scarino, c'est dans le. Dracolose, non, je crois que c'est dans cette extension. Enfin, bref, elle est vraiment superbe. Bon, un petit peu les bords décalés, je trouve, par rapport au bas. Mais elle est vraiment sublime. En plus, c'est un Pokémon que j'apprécie, donc voilà. Elle est vraiment jolie, quoi. Il y avait quel Pokémon que j'aimais pas? Crapustule, je crois qu'il est dedans. Bon, si je peux ne pas le choper, ce serait parfait. On a Kung Fuin, qu'on n'avait pas encore vu. Chétiflore. Je vais mettre ça là. Gringolem, Machuk, Posipi, Total Soin, Tyranidure, Vibranymph, alors Gamblast, donc
un rare reverse. Je la vois bien holo celle-ci, donc je ne sais pas si elle est holo, mais voilà. Et en rare, nous avons Golem Astok. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. J'ai l'impression qu'ils se cassent moins que les anciens boosters. Enfin, qu'on les ouvre sans trop les casser, en fait. Machoc, Flingouste, Evoli, Rapion, Soporifique, Galifeu, Stade des Combats, Mesmerella, Magmar en commune reverse et Trascor en rare. Polarim, Gringolem, Pandaspiègle, Magmar, Mélophée, Échange d'énergie, Capoeira, et Electaille derrière d'ailleurs, Collecte d'outils, elle est spéciale comme carte, Escargot en commune reverse et Méga Scarino X et B en est gâté, dis donc. Donc 3 ultras en première partie. Ouais, elle est décalée hein, quand même comme carte par rapport en haut et en bas. Mais elle est vraiment sympa. Bon, je suis pas trop fana quand même de la version méga de Scarino, mais elle est sympa quoi. Donc j'espère qu'on les aura en secrète aussi. Je crois qu'il y a celle-ci et méga Lucario. Je sais pas s'il y en a une autre, mais... Elle est vraiment sympa, quoi, quand même. En fait, c'est le petit truc rouge sur son nez, là, au-dessus de son nez, qui me fait bizarre. Donc, je préfère sa forme normale, hein, perso. Hop. Donc, il nous reste 5 boosters. J'espère qu'on sera aussi gâtés dans la deuxième partie, hein, parce que là... Makuhita, Rapion, Kung Fuin, Magmar, Escargot, Limaspid, Trousselin, Tyranidur, Givrali en rare reverse, trop mignonne, et nous avons en rare Lipoutou, elle est vraiment trop jolie, c'est mon préféré de la... Alors lui il était dans quoi? 4G je crois, ouais. Donc on se refile à Li... Et lui, je préférais largement Givrali en fait. Escargot, Kung Fuin, Negapi, Chétiflore. Bagiguan, donc encore une énergie renforcée, donc en mode combat. Ou alors je pense que c'est spécial pour genre Lucario et l'autre pour Scarino, vu que c'est plante et combat. Je suppose. Coup de langue, Amagara, Bagueille dans peu comme une reverse et Philali en rare, qui est trop mignon aussi. Enfin, ils sont tous mignons, mais bon. Voilà. On a Balignon, Mélophée, Poussifeu, trop mignon, Pandaspiègle, Machoc, Mélodelphe, je l'aurais vu en plutôt en rare celle-ci, mais bon. Donc Phytoénergie, Pandaspiègle de nouveau sous une autre illustration,
ensuite paru cool en Common Reverse et Dracolos 8 Full Art. Et dis donc, on est gâté. Elle est juste sublime. Bon, c'est. Non, c'est sur la version X normale. Je trouvais son nez énorme, mais là, ça passe en fait. Hein. Mais elle est vraiment juste sublime, quoi. Alors, je sais pas si on aura vraiment quelque chose dans la seconde partie, mais celle-ci, elle claque de ouf. Elle est sublime. Bébé, on est gâté, dis donc. Elle est vraiment superbe, quoi. En plus, j'apprécie ce Pokémon, donc c'est cool, quoi. Elle est juste perf. Franchement, quoi te demander mieux? Encore deux boosters, donc je pense qu'on n'aura plus rien. Mais sait-on jamais? On a Ratatouille, Balignon, Mélofée, Cracnoix, Rapion, Fossile Mâchoire, Super Rappel, Miradar, Ratatouille en Common Reverse et Maganon en rare. Alors c'est pas mon préféré, mais il est vachement bien fait. Et derrière on a Élécable, ici, sympa aussi. En fait j'ai l'impression que c'est un peu comme ces vipères et mangriffes. Ouais. Donc le dernier booster de cette première partie. Ratatouille, Evoli, Bagiguan, Negapi, Flingouste, Échange d'énergie, Capoeira, Collecte d'outils, Chapignon en rare reverse du coup, et Libégon en rare. Vraiment dommage qu'elle soit pas holo. Et on peut voir donc Ariyama derrière. Elle est vraiment très jolie comme carte. Voilà, voilà. Donc petite récap de cette première partie. Donc si je ne dis pas d'erreur, parce que j'ai mis de côté juste les holos et donc les ultras. Donc on a eu deux holos. Brutalibré et Brazigali. Et en ultra, comme vous pouvez le voir derrière. Donc, premier ultra, donc une full art supporter. Chercheur de fossiles. Ensuite, on a eu Scarino X. Voilà, donc en simple. Ensuite, le méga Scarino X. D'ailleurs, là, c'est la numéro 4 et l'autre la 5. Et pour terminer, on a eu le Dracolos Full Art qui est vraiment très très joli. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie. Voilà, à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure, ce sera peut-être dans une semaine que je mettrai la seconde partie. Je pense. À voir pour l'instant. Voilà.